L'un des trucs à la mode, en cette fin du XXe siècle, est de trouver, puis d'élever, un insecte qui pond ses œufs dans les œufs ou les chenilles de l'autre. Ainsi, on élève une guêpe capable de repérer, sous la peau des fruits, grâce à un genre de sonar, les œufs de la mouche qui les parasite. En Australie, pour protéger le chou contre la fameuse pierride qui pond ses œufs dans ses feuilles, on a trouvé cet insecte. Dans la chenille de la pierride, il pond ses œufs, qui deviendront des larves, se nourrissant de celles du papillon, laquelle finira par accoucher de ses assassins. Cela s'appelle la lutte biologique.